Salut à vous tous, bienvenue pour le 33e journal de la bande dessinée spécial confinement avec un artiste aux multiples facettes. Il était coloriste pour plein de grandes séries et de grands auteurs. Il est dessinateur aussi. C'est à lui qu'on doit la série Boggy Erana. Et oui, vous avez deviné, aujourd'hui notre invité est Fabien Ripper. Bonjour Fabien Ripper. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Comment est-ce que tu vis ce confinement? Bah écoute, le confinement, pour nous, auteurs de BD, on est quand même un peu habitués en travaillant à la maison, seul. Il n'y a pas grand-chose qui change, à part le fait de chaque fois qu'il faut sortir pour aller à la poste ou des choses comme ça, ou ne serait-ce qu'envoyer des bouquins ou des illustrations. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, il ne faut pas oublier son attestation, etc. Mais sinon, bon, ça se passe bien. Mais par contre, je commence à trouver un peu le temps long. C'est vrai que là, c'est vraiment compliqué. Et moi, ça fait des années que je te connais dans la bande dessinée. Et en même temps, ce qui est magique, c'est que tu as commencé en fait à travailler avant de faire tes propres bandes dessinées sur des ancrages de personnages aussi bien comme Astérix, comme des personnages de Disney. Comment est-ce que tu as débuté dans cette carrière? Alors, au début, quand j'ai eu fini mes études, j'étais pas disposé à faire de la BD, en fait. Moi, j'étais parti pour faire... En fait, j'étais électrotechnicien. Voilà, c'est le diplôme que j'ai eu, quoi. Ouais. J'ai commencé à travailler un peu en intérim, tu sais, pendant les vacances, etc. Et puis, avant de partir à l'armée. Et au retour de toutes ces choses-là, mon contrat que j'avais avec une société de force et lumière électrique s'est arrêté. Donc, du coup, je me suis retrouvé au chômage. Et entre-temps, comme j'achetais pas mal de BD, que je les faisais signer par les auteurs, etc., j'ai eu envie de partir dans ce domaine-là. Et en voulant prendre des cours de dessin aux Beaux-Arts, pas loin de chez moi, le gars m'a dit, écoutez, moi, la BD, c'est pas mon truc, donc je vais pas vous apprendre grand-chose. Par contre, à quelques kilomètres de Lillers, où j'habite, il y a un studio de dessin, je crois qu'il travaille sur Disney, Astérix, allez les voir. Donc, je me suis présenté, et puis ils m'ont fait faire des essais, surtout d'ancrage, parce que j'ancrais au pinceau à l'époque. Pas très bien, mais et ça les intéressait parce que j'étais un bon technicien d'ancrage. Pas un bon dessinateur, mais un bon technicien. Et j'ai commencé, voilà, ils m'ont pris en stage pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, j'ai fait de l'ancrage, du lettrage, de la couleur, du montage, de la maquette sur Astérix et sur quelques personnages Disney. Et voilà. Donc de fil en aiguille, évidemment. À la fin du stage, ils m'ont proposé est-ce que tu veux être salarié de la société ou est-ce que tu veux travailler en indépendant? Et puis après, tu vis ta vie et quand on a du boulot, on t'appelle. Donc voilà, j'ai commencé comme ça en 88 en tant qu'indépendant et ils ont continué à me fournir du travail sur Astérix. Et voilà. Donc c'est magique de commencer comme ça dans la bande dessinée. C'est quand même un gros coup de chance parce que ce studio aurait pu se trouver, je sais pas moi, à Paris où j'aurais pas pu y aller, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Dans des classes, c'était à 6 km de la maison. Donc du coup, j'y allais de temps en temps et puis quand ils m'ont pris en tant que stagiaire, j'étais là tous les jours. Et mon ancrage s'est amélioré évidemment au fil des mois et à un moment donné, ils m'ont dit écoute, on va te basculer sur l'autre atelier qui est lui plus spécialisé sur Disney. Et voilà, donc du coup, j'ai fait aussi du Disney pour les 2 mois ou 2 mois et demi qui restaient de stage. Et quelques années après, il y a la série que j'adore, c'est Boggy Erana qui est sortie. Et c'est vrai que c'est magique parce qu'en même temps, toi, tu es proche de la nature avec cette série-là. Et le premier album qui est sorti, c'était Les Temps qui rétrécissaient. Tout à fait. Si je me trompe pas, premier album, grand prix en fait au Festival d'Angoulême, de la jeunesse. Oui, c'est vrai que pendant 10 ans, j'ai travaillé sur de l'illustration. Mmh.
Tout pour les jeux Nathan, Ravensburger, le parc Disneyland Paris aussi, ils m'ont fait faire beaucoup de dessins pour les produits dérivés au moment de l'ouverture du parc. Et en 95, j'ai rencontré un gars qui montait une petite maison d'édition sur Dunkerque, et il avait besoin de nouveaux auteurs, étant donné que c'était le tout début. Donc j'ai présenté le projet Les Temps qui rétrécissaient, puisque j'avais rencontré Tarvel 2 ou 3 ans avant. Et voilà, ça s'est mis en chantier. Donc j'ai fini l'album en... Quand est-ce que je l'ai terminé? En juillet 96, je crois. Et puis il est sorti en novembre. Et on l'a présenté à Angoulême pour le festival de 97. Oui. Et donc on avait un stand. La maison s'appelait Cœur de Loup à l'époque. Et on avait un petit stand à la Bulle New York. Et à un moment donné, on entend une annonce qui appelle un des responsables de la maison d'édition. Donc, du coup, j'y vais, je réponds au téléphone et elle me dit, voilà, il faut vous présenter à 11h au CGR, au cinéma, pour la remise des prix. Je dis, mais pourquoi? Je vais aller faire là-bas. Elle dit, mais vous avez reçu un prix pour les temps qui rétrécissaient. J'étais vraiment à milieu d'imaginer que je pouvais avoir un prix avec ce premier album comme ça. Et puis bon, bah alors je me suis présenté, et puis après, bah, remise des prix, machin, et puis j'ai eu l'Alpha Jeunesse en Ouais. 97, pour les temps qui rétrécissaient. Et c'est quand même magique, hein, quelques mois après la sortie de l'album, Ben d'être oui, pour un grand prix. ouais, et puis en plus, cet album-là avait aussi eu, enfin, j'avais eu la chance de travailler sur Gaston Lagaffe pour faire les Ah. couleurs, mais pas les bandes dessinées, sur toutes les collections de cartes postales. Et Franquin m'avait fait une préface pour cet album-là, donc du coup. La préface, le prix, mais je suis dit, on a tout mis sur le même bouquin, quoi, le numéro 1. Donc, non, non, c'était vraiment très, 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 très gratifiant. Et puis, comme tu dis, c'est magique. Et il y a 8 albums justement actuels avec la série Voguey et Rana. Et tu as en fait 4 albums ont été scénarisés par Brice Travel. Et après, toi, tu as continué la série seul. Et pour toi, c'est une série qui est. Bah, moi, je te connais bien, j'adore cette série. Et je trouve que c'est une série qui est hyper importante pour l'écologie. Parce que dans chaque album, on apprend différentes choses pour être plus proche de la nature. Oui, alors ce que j'aime bien, c'est partir de quelque chose de réel. Si je le découvre sur Internet ou dans un bouquin, que je pense par exemple au pouvoir des Goliaths, où ça se passe au Cameroun avec des grenouilles géantes. Ça, c'était mon fils qui avait trouvé une photo dans un de ses magazines et il m'amène ça. Il me dit, regarde la taille des grenouilles, t'as vu ça, etc. J'ai dit, oh, c'est génial. Donc du coup, je le laisse dans un coin, je le laisse mariner un petit peu. Puis après, je me dis, tiens, je pourrais écrire une histoire qui se passerait au Cameroun. Ça changerait un peu des aventures qui sont autour de l'étang des grenouilles, parce que bah, à un moment donné, je vais pas dire qu'on tourne en rond, mais on reste quand même dans un univers un peu trop connu. Donc, si je les amène un peu à droite, à gauche, ça peut être sympa. Surtout qu'avec Brice Tarvel, on les avait déjà emmenés au Québec pour les grenouilles Ouahouaron. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une nouvelle histoire qui les emmène dans un autre pays. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, j'ai fait aussi donc Misrana, où il y a une partie en Amazonie. Après, là, dans l'espace, c'est carrément différent, mais ça parle quand même d'écologie, avec cette planète noire qui assainit l'espace, quand les planètes sont trop polluées, etc. Donc il y a toujours un petit message écolo. Et toi, comment est-ce que tu vis ben, ce confinement aussi bien par rapport au coronavirus 19 et ton univers de, en fait, l'écologie? Écoute, je le vis plutôt bien. J'ai pas mal de boulot. Alors c'est un peu compliqué parce que tous les salons étant annulés, il y a quand même un petit souci financier quelque part, parce que moi maintenant en tant qu'auto-édité, c'est vrai que les revenus des salons font partie de mes revenus annuels. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, j'ai quand même, je sais pas si tu sais, mais j'ai colorié un album de Percevant pour Oui, Pink justement, Lady. j'allais en parler. Donc, bon, bah, le tome 16 est terminé et là on est sur le tome 17. Donc du coup, j'ai des choses à faire. Il y a aussi Bruno Disano que j'ai rencontré à Isbeck, qui m'a demandé si je pouvais faire des essais pour sa série Rubine. Donc du coup, là j'ai fait une page, je dois en faire une deuxième et puis l'envoyer. Si c'est concluant, eh ben,
Peut-être que je ferai un album de Rubin, pourquoi pas. Donc j'ai des choses à faire en ce moment, mais c'est vrai que les salons, ça manque un peu. Puis surtout, j'avais sorti en janvier un nouvel album jeunesse, Le Dragon de Bois, Oui. et lui, il s'est vite retrouvé court-circuité, quoi. Donc il est sorti en janvier, j'ai fait quelques salons jusqu'au début mars, et puis après, bah, terminé, donc je ne peux pas le présenter. C'est un peu gênant en ce moment, quoi. Parce que bah, il faut payer l'imprimeur maintenant, mais le bouquin, on ne peut pas le vendre. Ça, c'est un petit peu galère. Mais bon, ça va. Il y a Mais pire. c'est vrai que là, tu as travaillé sur plein d'albums en tant que coloriste pour plein de dessinateurs. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que tu as fait presque plus d'albums en tant que coloriste. Bon, ça prend beaucoup de temps la couleur que tes albums à toi, mais c'est impressionnant parce que bah, j'étais avec Luigi il n'y a pas longtemps, il était hyper heureux que tu aies fait ses couleurs. Donc il est content quand la série continue. Et c'est vrai que c'est Ouais. magique de travailler comme ça avec des gens. Ben oui, puis en même temps, ça se passe super bien parce que ben, au début, il a fallu que je me fasse à l'univers de Perceval parce que Philippe Guy met beaucoup plus de détails que moi dans ses, sur ses Oui. plans. Et puis, bon, c'est sûr que c'est pas ma série, donc du coup, il a des exigences, etc. Donc, à chaque fois que j'envoie une planche, il me rappelle, il me dit, ah ben là, je préférerais comme ci, je préférerais comme ça. Là, ça va pas parce que du coup, c'est tout ça. Donc on rectifie, mais maintenant, en règle générale, quand j'envoie une planche, il me rappelle et puis il y a 5 ou 10 minutes de petites retouches et puis c'est terminé, quoi, parce que c'est des bricoles. Donc ça va beaucoup plus vite. Lui, il voit le boulot avancer parce qu'il dit, c'est tout ça que je ne dois pas faire. Et pour moi, c'est vraiment... jamais j'aurais imaginé un jour, quand j'étais jeune dessinateur, que, en lisant Silvio, etc., que ben, je ferai des couleurs pour le dessinateur de cette série-là que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs. Donc oui, j'ai fait énormément d'albums, parce que là, bon, c'est juste de l'autre côté. J'ai 5 casiers de 30 cm sur 30 remplis de BD et de bouquins que j'ai coloriés ou ancrés. En Oui. fait, je dois avoir 120, à l'heure actuelle, 127 ou 128 bouquins sur lesquels j'ai mon nom, où j'ai travaillé, où j'ai fait quelque chose dessus, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal, surtout pour le Québec aussi, avec, je ne sais pas si tu connais Tristan Ah Demers, oui. Gargouille. Gargouille. Donc Ouais. là, on a de nouvelles aventures de Gargouille qui sont sorties chez Michel Quintin, mais lui, cet éditeur ne voulait plus de Gargouille sous forme de gag. Il voulait Ouais. les Gargouilles avec des aventures, donc des aventures classiques de 40 pages. Donc là, je viens de terminer le quatrième en couleur. Ah, génial. Ouais. Donc j'ai tout renvoyé et puis ça sortira je pense pour le mois d'octobre. Sinon quand on a commencé cette série, Tristan m'avait demandé si je pouvais comment dire, réfléchir à un scénario. Donc du coup j'ai fait le scénario du numéro 2, Panique à bâbord, avec une histoire de pirates et de grosses pieuvres. Ouais, quand donc non, c'est très intéressant. Puis avec Tristan, on s'entend bien, donc on travaille un peu de la même façon. Il fait beaucoup d'interventions scolaires. Lui, il a juste l'opportunité supplémentaire, c'est de pouvoir travailler à la télé, étant donné qu'au Oui. Québec, c'est plus simple que chez nous. Et à côté, tu as fait aussi deux albums avec Adeline Blondeau. C'est Ouais. justement, ben, j'ai adoré, c'est les Pochitos. Oui, les Et Poquitos, oui. Ça s'est arrêté, puisque bon. Je ne vais pas dire que ça marchait pas, mais on n'avait pas. On avait, le feu sacré était moins là. Donc, du coup, cette série, elle est un petit peu tombée à l'eau. Donc, sinon, dernièrement, j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Amandine Marshall, qui est une égyptologue. oui. Et donc, elle écrit beaucoup de choses sur l'Égypte, etc. Et elle voulait se diriger vers de la jeunesse. Et écrire des histoires pour lesquelles elle n'était pas, comment dire, enfermée dans un carcan historique. Donc ça s'appelle le Ombeline. Je ne sais pas si tu peux voir, tu vois, ici, c'est Ah, génial, oui, superbe. Ouais. C'est le numéro 2. Et c'est des petites histoires de 36 pages à peu près pour les plus jeunes. Et ça se passe un peu dans comment dire, une époque médiévale fantastique, parce qu'il y a un dragon, et puis il y a beaucoup de magie, etc. Donc, elle a écrit 4 histoires, j'en ai dessiné 2, j'ai commencé la troisième. Et ça, par contre, ça marche bien aussi, quand même. Et ça change, elle, ça la change. Moi également, parce que c'est une des premières fois où je dessine des personnages humains.
Oui. Parce que c'est les animaux dans mes ouvrages, donc là, ça change un peu. Mais c'est bien parce qu'en fait, tu as deux casquettes, tu as la bande dessinée et en même temps littérature jeunesse. C'est vrai que c'est génial. Ça, c'est intéressant parce que ça me permet de toucher un public beaucoup plus large. Et en plus, les albums jeunesse, comme je ne sais pas si tu as vu aussi le Dragon de Oui, le bois. dragon, qui est superbe aussi, ouais. Dragon de bois, alors lui, c'est aussi c'est encore un autre style, puisque je me suis associé avec un dessinateur qui s'appelle Jim Colorex, qui fait de l'illustration héroïque fantasy, des peintures, etc. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait se charger des décors. Moi, je me suis chargé des personnages. Et informatiquement, je suis venu réintégrer les personnages sur les décors. On a comme ça pu sortir un album beaucoup plus rapidement. Et pareil, ça change carrément d'univers. Et celui-là a reçu un bel accueil de la part du public. Donc du coup, je pense qu'on je vais peut-être réécrire une deuxième histoire avec ce petit dragon de bois là, qui plaît pas mal. Et alors l'avantage aussi, c'est que faire un bouquin jeunesse de 40 pages, c'est beaucoup plus rapide que de faire une bande dessinée. Ce qui fait que ça me permet de sortir des albums plus régulièrement. Et puis les bandes dessinées Bogirana, bon là je suis sur le numéro 9, mais il me prend un peu plus de temps que les autres, puisque bah, je dis là, tu vois, il y a deux albums Oui. jeunesse, il y a pour Luigi, etc. Donc bon, je suis occupé. Et je laisse un peu de côté Bogirana, mais je le fais tranquillement. J'ai pas besoin. J'ai pas un éditeur qui me dit ah, le 9 octobre, il me faut les blanches. Oui. J'ai pas ce souci. Là. Bougiana, il y a aussi eu deux albums pour la jeunesse. Oui, il y a eu des albums jeunesse, oui, Ouais. écrits justement par Brice Tarvel, c'est Le Chapeau Magique et La Nuit des Citrouilles. Oui. Donc, deux petites histoires courtes aussi, pareil, dans un format carré pour les plus jeunes. Et non, non, c'est. Moi, j'aime bien pouvoir toucher un peu à tout, parce que je ne vais pas dire que je m'ennuie vite, mais un an sur le même bouquin, moi, j'y arrive pas, quoi. Faut que je fasse plein de trucs. Donc c'est pour ça que je fais des animations scolaires, je vais dans les médiathèques, je fais des spectacles aussi. Ouais. Là, je suis monté un spectacle avec justement Ombeline, la petite princesse médiévale, Oui. là, pour pouvoir faire des lectures dessinées. C'est-à-dire pendant que Amandine lira l'histoire aux enfants, moi je vais dessiner directement sur scène sur un paperboard et on aura un décor avec nous, des petits personnages, etc. sur scène, des petits personnages découpés en fait. Voilà. Il y a pas mal de choses qui sont en préparation, qui se font, qui sont terminées, qui vont sortir, qui sont sorties. Ça bouge pas mal. Et ma dernière question, est-ce que tu travailles sur un projet maintenant, à part les couleurs de Luigi chez Choza? Alors, j'ai, comme je te disais, le prochain tome de Bugirana, bouge pas, je vais prendre Oui, ça. super. Ça sent bouger, tu peux pas. Oui. Ah, Là, je suis. super. Oui. Ah, j'ai vu ce dessin, il est super, ouais. Alors, ça sera au Maroc, Oui. dans la ville d'Essaouira, où j'habite pour les vacances. Et donc là, tu as le. En fait, c'est le scénario, tu sais, Ah, avec génial. Oui. le storyboard avec, etc. Donc là, j'ai pratiquement tout écrit. Il me reste quelques pages, je dirais 3 ou 4 pages à finaliser. Et j'en ai déjà commencé en dessin, donc je suis à la cinquième planche pour l'instant. Donc ça, c'est le projet qui est en cours, qui va me prendre un peu plus de temps, étant donné qu'avec Ombeline, je suis sur le tome 3 également. Donc du coup, bon, je joue un peu, je fais les couleurs de Luigi, un petit coup par-ci. Et là, on m'a demandé aussi de participer à un collectif pour le Covid-19, tu sais, Oui. pour qui serait vendu au profit de la Croix-Rouge en Belgique. Ah, génial, ouais. Je participe tous les ans à un salon de la BD fin août à Autun. Et c'est un festival de montgolfière. Mais une fois que les Oui. ballons sont partis, les gens n'ont plus grand-chose à faire. Donc du coup, ils ont fait un petit salon BD, ce qui fait que ça occupe les gens. Et puis nous, on peut dédicacer des bouquins pendant une fois que les ballons sont partis dans les airs. Et donc cette année, ils nous ont demandé, ouais, on aurait l'intention de faire ça, ça serait vendu au profit de la Croix-Rouge, etc. J'ai dit, bah écoute, oui, parce qu'en plus sur Facebook, j'ai posté 2, 3 dessins. Je pense qu'il y en a un qui peut servir. Donc du coup, je leur ai envoyé celui que j'avais posté. Ils m'ont dit, ah oui, bah, en plus, si on peut en faire la couverture, ça serait génial. Et ben voilà, bah, Ah. allons-y alors. Et en même temps, c'est une super initiative. Oui, ouais, c'est super bien. Donc il y aura.
pas mal de dessinateurs belges, Tedo, Dissano, Walteri, je crois. Qui est-ce qu'il y avait d'autres aussi? Le dessinateur Daniel Cox, enfin, Oui. toute une équipe qui ont déjà répondu OK, Pierre-Emmanuel Police aussi. Et donc là, les dessins commencent à arriver. J'ai eu un petit message ce matin et je pense que ça va sortir très très rapidement. Et voilà, donc j'en ai parlé à Luigi aussi, je pense qu'il va y participer. Et ça permet d'avoir de faire un petit geste aussi, quoi, parce que eux, ils sont partis au front, alors que nous, on reste chez nous, sans bouger le maximum pour pas se balader avec cette saleté de virus-là. Donc voilà, c'était une idée qu'ils ont eue et bon, ça m'a plu, j'ai participé. C'est super. Ben, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Ben, c'est moi qui te remercie, ça fait plaisir, et puis, ça nous a permis de nous revoir. Oui, Mais comme ça, je vais te revoir en live. bon, il n'y a pas de raison qu'on ne retourne pas après mon salon et qu'on aura l'occasion de se revoir. Oui, bien sûr. Alors, à tout bientôt. Ben, je te remercie. Ciao, ciao. Allez, salut.